Vous savez très bien qu'un député a pour rôle aussi de légiférer. Et ça va faire 2 ans et demi que je travaille sur ces 2 lois. Je tiens, avant de commencer, à remercier tous les médecins, tout le corps médical qui a pu m'accompagner pour composer, bien sûr, ce texte. Présentation de la proposition de loi portant administration des soins d'urgence et préhospitaliers et proposition de loi portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectifs, je m'en voudrais sérieusement si j'entamais mon propos sans vous remercier de rehausser cette conférence de votre présence. En dépit de vos multiples et importantes occupations, vous avez daigné répondre favorablement à ce rendez-vous. Alors, trouvez dans ces faibles mots l'expression de toute ma gratitude. Pour une meilleure assimilation, j'ai jugé utile de subdiviser mon propos en 4 points principaux, en l'occurrence. 1. Fondement juridique de cette initiative législative. 2. Motivation ayant inspiré l'élaboration de ces 2 propositions de loi. 3. Économie générale des propositions des dites lois. Et 4. Retombées envisagées sur le vécu quotidien de la population. Tels sont les moments forts de la présente conférence de presse. Sans tarder, venons-en au vif de notre sujet. Primo, fondement juridique. Point n'est besoin de rappeler qu'une proposition de loi est une initiative prise par un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions, dans le but de faire adopter une loi par l'Assemblée nationale ou par le Sénat, selon le cas. Cela dit, en tant que député national, le droit d'initier une proposition de loi m'a été reconnu en vertu des dispositions pertinentes des articles 130 de notre Constitution et 143 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tel est son fondement juridique. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectifs. 2. Motivation. S'agissant des motivations ayant présidé à l'élaboration de ces propositions de loi, il convient de rappeler que notre pays fait face à de nombreux défis de nature diverse. La population congolaise est en proie à la crise de sécurité aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de la protection civile. En parlant de la santé, il est à noter que la République démocratique du Congo occupe la 53e place au monde des pays ayant le taux de mortalité les plus élevés, parce que notamment les patients en situation d'urgence médicale ne sont pas pris en charge dans un délai raisonnable. En cause, le pays accuse une carence criante d'ambulances. Celles qui existent ne sont pas tous ou ne sont pas du tout équipées. Que des fois, n'a-t-on pas vu des gens mourir sur le chemin de l'hôpital parce que la prise en charge était intervenue très tardivement ou parce que l'ambulance n'était pas assez équipée pour administrer des soins de premier secours. La question des soins d'urgence et préhospitaliers ne fait exception d'aucun rang social. En effet, même avec $1 million, vous pouvez perdre la vie dans une ambulance ou dans votre propre véhicule si vous
vous ne recevez pas des soins appropriés en toute urgence. La situation des ambulances dans notre pays est alarmante et devrait interpeller chacun de nous. En ce qui concerne la protection civile, notre gouvernement n'applique à ce jour aucune politique en matière de secours de la population à la survenance des incendies ou d'autres catastrophes. Est-il normal que la ville de Kinshasa ne compte que 9 camions anti-incendie, concentrés tous dans la commune de la Gombe? Tout récemment, il y a juste quelques jours, un incendie s'est déclenché par la faute d'une mauvaise installation des fils électriques et a causé, au grand préjudice des victimes, d'importants dégâts dans la commune de Kalamu, dans le quartier Kauka, près de la paroisse Sainte-Marie-Goretti. Ce qui est le plus effrayant est que le feu réduisait en centre des maisons et des biens de valeur pendant plus de 4 heures du temps, sans aucune intervention des sapeurs-pompiers, alors que le lieu de l'incident était juste à quelques pâtés de la maison communale de Kalabou. Les habitants de ce quartier, nous ayant crié au secours, nous nous sommes rendus sur le lieu et grâce à la bravoure des jeunes gens trouvés sur place, nous avons maîtrisé le feu avant que des vies humaines ne périssent. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectives. Les mésaventures de ce genre surviennent tous les jours et nos compatriotes sont victimes de ces incendies intempestifs qui carbonisent tous leurs biens de valeur péniblement acquis. Dans des cas extrêmes, ces incendies s'accaparent tragiquement des vies humaines. Tout ça parce qu'ils ont eu le malheur de vivre loin de la commune de Gombe où se trouvent les 9 camions anti-incendie. Compte tenu de toutes ces réalités, nous avons pris la résolution d'initier ces deux propositions de loi en vue de doter les secteurs de la médecine d'urgence et la protection civile d'un cadre juridique essentiellement tourné vers la prévention des péripéties qui menacent la vie de l'homme et ses biens matériels. Tel est le but visé par ces deux propositions de loi que nous avons le privilège de présenter à la population congolaise en ce jour. 3. Économie générale. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, nous présenterons d'abord la teneur de la proposition de la loi portant administration des soins d'urgence et préhospitaliers. Ensuite, celle qui porte la création et l'organisation de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Primo, proposition de loi portant administration des soins d'urgence et préhospitaliers. La présente proposition comporte 5 titres intitulés respectivement comme suit: des dispositions générales, de l'organisation et du fonctionnement des soins préhospitaliers, des transports sanitaires, de l'enseignement de la médecine d'urgence et des dispositions finales. Voici ce qu'il faut retenir de cette proposition de loi. Elle fixe les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et l'administration des soins préhospitaliers en République démocratique du Congo et s'applique au personnel de santé, aux établissements sanitaires, aux victimes des accidents et des catastrophes naturelles et à toute personne dont l'état de santé nécessite une intervention médicale urgente. Articles 1er et 2. Elle crée au sein du ministère de la Santé publique une direction de contrôle et de réglementation des soins préhospitaliers, DCRCP en sigle, qui a notamment attribution de veiller à l'administration des soins préhospitaliers conformément aux bonnes pratiques
et de contrôler les établissements hospitaliers exploitant les transports sanitaires. Articles 4 et 5. Elle rend les soins préhospitaliers obligatoires et gratuits pour les victimes des accidents et des catastrophes naturelles et pour toute personne dont l'état de santé nécessite une intervention médicale urgente et met en place un centre de traitement des appels d'urgence. Articles 9 et 10. Elle institue un corps des techniciens ambulanciers qui a pour mission d'administrer des soins préhospitaliers en collaboration avec des établissements de transport sanitaire, articles 16 à 21. Elle sanctionne d'une peine d'emprisonnement de un mois quiconque s'oppose à ce qu'un patient reçoive des soins préhospitaliers et de 3 mois quiconque transfère un patient. De 3 mois, quiconque transfère un patient dans un établissement de santé qu'il a expressément refusé, articles 32 à 33. Ainsi s'achève le résumé de la proposition de loi sur les soins préhospitaliers en République démocratique du Congo. Proposition 2. Proposition de loi portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. La présente loi compte 8 chapitres, à savoir des dispositions générales, chapitre 1, des attributions, chapitre 2, des conditions d'accès à la profession, chapitre 3, de l'organisation, chapitre 4, des droits et devoirs, chapitre 5, des incompatibilités, chapitre 6, de la discipline, chapitre 7, de la fin de la profession, chapitre 8. De manière globale, les idées principales que nous pouvons retenir de cette proposition portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers sont les suivantes. Le métier de sapeur-pompier constitue désormais une profession libérale, au même titre que la profession d'avocat, la profession d'huissier. Les conditions d'accès à la profession de sapeur-pompier sont définies par la loi, notamment l'exigence de réussir au concours et de prêter serment avant d'exercer le métier. Article 3. Les sapeurs-pompiers ont pour mission de prévenir et éteindre les incendies, protéger les personnes victimes des incendies et des catastrophes naturelles ou artificielles, préserver les biens meubles et immeubles des dommages résultant d'un incendie ou d'une catastrophe naturelle ou artificielle. Promouvoir l'installation des dispositifs anti-incendie dans les habitations. Promouvoir l'installation des dispositifs anti-incendie dans les habitations. Sensibiliser sur les gestes de premier secours en cas d'incendie ou de catastrophe naturelle, article 6. Il est institué sur le territoire congolais un conseil national de sapeurs-pompiers et un conseil provincial dans chaque province, articles 10 et 11. Les sapeurs-pompiers ont droit à la protection et à l'assistance des autorités civiles et militaires dans l'exercice de leur profession, au paiement de leurs prestations et au respect de la population, articles 17 et 20. Ils ont le devoir de respecter les lois de la République et leur code de déontologie, de préserver l'intégrité corporelle des victimes qu'ils secourent, de se comporter dignement pour honorer leur profession. Article 21-23. La profession de sapeur-pompier est incompatible avec toute fonction publique, tout emploi de directeur, gérant, administrateur de société et d'agent comptable, toute espèce de négoce, l'exercice de la profession d'avocat, tout mandat électif, tout autre emploi rémunéré basé sur un lien de subordination. Article 33. La profession de sapeur-pompier prend fin par démission, décès ou radiation. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance à vos titres et qualités respectives,
Voilà, de manière globale, la teneur de deux propositions de loi que nous avons le privilège de vous exposer à ce jour. Avant de remettre la parole au modérateur, nous aimerons souligner que ces propositions de loi visent à améliorer la situation de toute la population congolaise dans le secteur de la santé et de la protection civile. Pour ce faire, nous en appelons à l'implication et à l'adhésion massive de tous les Congolais afin que ces lois soient adoptées et promulguées. Il en va de l'intérêt de chacun de nous. Je termine mon propos en me levant. En faisant ce travail, nous avons rencontré des centaines de familles. Certaines ont perdu des membres de famille à cause du retard de la médecine, à cause du manque d'ambulances en République démocratique du Congo. Et je tiens à dédier ce travail de 2 ans et demi à ces personnes que je cite en ce moment. À Albert Daniel Nomassi, mort le 22 juin 2008. À Landry Mpakata, mort le 10 février 2012. À Perfi Mananga, mort le 1er mars 2014. À Sandra Moussoua, mort le 4 avril 2015. À Trésor Kapaka, mort le 7 février 2013. À Sophie Mampouya, morte le 21 juillet 2019. À Mami Kabouy, morte le 12 mars 2019. À Andy Makaya, mort le 8 août 2020. À Nomasiko Samabi, mon père, mort le 29 août 2018. J'ai dit et je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Toute l'Assemblée et à remercier particulièrement l'honorable Adosu Lombassi pour ce travail des titans qu'il a mené. Et aujourd'hui, je peux dire personnellement, on sent que la population, demain après demain, sera protégée. Personnellement, je veux rester du point de vue, je vais rester beaucoup plus technique par rapport à ces deux propositions de loi. Ce sont des propositions de loi qui, depuis que le Congo a été Congo, a toujours été négligé. On se le dit. A toujours été négligé. Je vais prendre la première, la présentation de loi, la proposition de loi portant l'administration de soins d'urgence et préhospitaliers en RDC. Mes frères et sœurs, il y a des fois, ça devient un peu écœurant de voir que avec ces grands Congo, ces pays immenses, mais le service de transport médical est devenu un luxe et ça fait très mal. Pour que tu arrives aujourd'hui à connaître un problème chez toi ou encore, je ne sais pas, en cours de route, pour avoir une ambulance venir te chercher, t'amener à l'hôpital où justement commencer déjà à prendre le soin, c'est devenu un livre. Si tu n'as pas d'argent, ça ne peut jamais arriver. Et aujourd'hui, sincèrement, je dis merci. Pourquoi? Parce que nous devons tous mettre la main dans la pâte pour que ces deux propositions de loi puissent passer, parce que c'est pour le bien du peuple, c'est pour le bien de tous les Congolais, sans exception aucune. Techniquement, je veux dire, quelle est l'importance de ces deux propositions de loi, premièrement? Quand on parle de soins pré-hospitaliers, je crois que c'est très important. Et dans des pays, entre guillemets, développés, il y a toujours les 111. Les 111, c'est les SAMU. C'est-à-dire que même si tu es à la maison, tu n'as personne, mais quand tu as un malaise, tu ne sais pas arriver à l'hôpital, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler les 111 et les 111 vont venir chez toi à la maison. Donc, tu vas déjà commencer à avoir des soins
loin de murs des hôpitaux. C'est-à-dire que l'ambulance qui arrive avec toute une équipe d'urgence chez toi, et puis ils commencent déjà des soins, et à partir de là, c'est à eux de vous amener vers un endroit approprié pour la continuité de soins. C'est ce qui n'a jamais été réalisé ici chez nous. Et aujourd'hui, avec notre politique nationale de soins en RDC, nous sommes obligés d'incorporer ces projets de loi. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va protéger les Congolais. Ça, c'est de un. De deux, il y a des catastrophes naturelles qui se font un peu partout. Il y a même des accidents, même des incidents. Vous arrivez peut-être en cours de route comme ça avec ces phénomènes moto, machin. Quelqu'un qui vient de connaître un accident, et si l'hôpital n'est pas à une cigarette là où s'est produit l'accident, c'est-à-dire que la personne doit rester d'abord là, et puis même avant que, je ne sais pas, les gens viennent les secourir, avec des conditions que nous connaissons tous, comment est-ce que vous allez amener une personne à l'hôpital? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on enregistre beaucoup de cas de mortalité en RDC. Et si on essaie quand même de faire la statistique, vous allez voir que c'est beaucoup plus élevé. Déjà, le fait de faire quitter la personne là où il a eu un incident ou un accident, pour arriver à un endroit propice pour le soin, il y a beaucoup de gens, et des fois, vous serez d'accord avec moi, vous arrivez comme ça à l'hôpital et l'équipe médicale vous dit, vous nous avez apporté un cadavre. Et ce sont des histoires où, si vous allez dans des pays développés, dans des pays qui sont vraiment beaucoup plus équipés, ça ne se produit jamais. Déjà là où s'est produit l'accident, il y a déjà une ambulance qui arrive, il y a l'équipe qui est là, l'équipe des urgentistes qui vont déjà commencer à prendre en charge la personne à partir de là et enfin amener la personne à l'hôpital. Et là, la personne humaine est protégée. Pendant que chez nous ici, la personne n'est pas protégée. La personne n'est pas protégée, pas du tout. Et c'est à partir de là, si aujourd'hui, si réellement nous sommes désunis, si réellement on peut lancer cette sonnette d'alarme à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour que cette proposition, qui est à 98% quasiment important pour toute la population. Je ne veux pas beaucoup plus monopoliser la parole, mais... Merci Mingi na honorable Ados Tombasi. Merci na bandeko Panso Oyo Bazali Awa Pona Bupanzi Sango Likambo Oye ya monene tokiko pinisa na monoko na biso lokola bayemboka ezali bobele liloba moko oyo ezali ya motuya na maloba nyonso oyo tokoki koluka. Merci honorable. Likambo ya lolenge oyo mpeko oyo ezali kolakisama na liboso bayembuka panso ezali likambo ya motuya. Mpona nini ezali likambo ya motuya na biso baminganga tozali na kati ya likambo oyo? Moto moko te akoki kokima likambo oyo ya mopepo oyo ndeko na biso Ados
Ndombasi azali ko présenter azali ko lakisa na miso ya mboka mobimba moto akoki ko kima yango te pona nini tolobi moto akoki ko kima yango te yo okimi yango po ozali na ba makambo ebele ozali na misolo mingi ozali na biloko ebele bongo libota na yo pe mobimba ekokima yango ekokima yango te me kasi soki tosangisi makanisi na biso likolo ya mobeko oyo moto moko moko na biso akokwa litomba na yango ezali mobeko ya motuya ya motuya makasi mpenza mpo na nini mpo ezali kolakisa biso ndenge nini tokoki kopesa to kokamata bandeko oyo bazali na likama mpo na kozongisa bango na bokolongono bwa nzoto mpo na koluka kolongola mpasi oyo ekomeli bango ya mabe koleka eya te oyo tobengi liwa bomoi nyonso ezalaka na kobotama esukaka mpe na liwa kasi esengeli na biso bato tolakisa tozali bato na koyeba ndenge nini tokoki kolamba to kobongisa mboka na biso mboka eyebanaka ezali ya kobongama na mibeko soki mibeko miti te elingi koloba ete esika wana ezali esika ya bato te na bokuse elingi koloba boye ndenge tozali awa na mobeko oyo oyo ndeko na biso adoti ndombasi azali kolakisa na liboso ya bayemboka nyonso bandeko bolimbisa ngai moto ya kozala na posa ya koboya eloko motindo oyo esengeli ntango mosusu azala na molongo ya bato te mosoka azali na molongo ya bato elingi koloba eloko oyo ndenge balobi na lopoto ezali bienveni en quelque sorte comme venait de dire mon prédécesseur mon confrère docteur Mobeti cette proposition de loi des soins d'urgence et pré-hospitaliers doit attirer l'attention de tout Congolais quand nous disons que ça doit attirer l'attention de tout Congolais c'est à partir aussi de la République démocratique du Congo que les autres pays africains peuvent emboîter les pas. Cette proposition de loi nous donne la facilité partout où nous serons, partout où une forme de catastrophe, d'accident va nous trouver. Que nous puissions avoir la facilité des secours. Quand ce n'est pas organisé, quand il n'y a pas une législation à ce sujet, nous sommes foutus pour la mer. D'une manière ou d'une autre, l'importance de cette proposition de loi et bel et bien là, personne, nous avons eu toujours des difficultés pour bien voir ou constater cela. En quelque sorte, nous pouvons dire que l'honorable Ados Ndombasi, c'est une bénédiction pour la République démocratique du Congo, le fait de passer une telle proposition de loi. Je pense que ça mérite vraiment des applaudissements si nous pouvons le faire. Merci bien.
chers frères et sœurs, tels que nous sommes là, si nous ne nous portons pas bien, nous ne sommes pas en bonne santé, personne de nous va se pointer là où nous sommes. Et concernant cette proposition de loi, personne n'est épargné. D'une manière ou d'une autre, tout le monde est impliqué. Je pense s'il faut appuyer tant qu'expert de la santé, c'est d'abord la santé. C'est d'abord la santé avant de tout faire. Et tout le monde est impliqué, comme redit. Je pense d'une manière brève et peut-être une petite rectification. Le docteur qui parle, c'est le docteur Botoulou et non le docteur Botouli. Je pense que nous sommes à votre disposition pour des questions.